Hello, moi c'est Nina. Je suis passionnée de voyage depuis mon plus jeune âge. Et en 2023, j'ai décidé de tout quitter et de me lancer en freelance pour être libre de vivre et voyager où je le souhaite. Dans cette aventure, je ne suis pas seule. Je voyage avec mon copain et on a décidé de revenir sur le magnifique continent asiatique parce qu'on aime beaucoup ces pays. Alors on vous amène avec nous dans cette aventure en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam, au Laos, au Cambodge et plein d'autres pays dans le futur. Hello les amis, on se retrouve en Thaïlande, à Bangkok. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Les plans ont changé, ça arrive de temps en temps. Ça arrive souvent avec nous quand même qu'on change les plans. On pensait rester un mois au Cambodge, à Siem Reap, mais finalement, on n'a pas trouvé beaucoup de choix de logement. Parce que vous savez, donc on voyage et on travaille en ligne, donc il nous faut quand même un appartement avec un petit peu d'espace et pas juste un hôtel, parce que bon, pour voyager évidemment on va dans les hôtels, mais là pour travailler faut quand même qu'on ait un petit peu de place et au moins un bureau et deux chaises, enfin ou une table et deux chaises. Et à Siem Reap il n'y avait pas énormément de choix, c'est une ville hyper touristique avec les temples d'Angkor, donc il y a beaucoup de choix d'hôtels, il y a vraiment vraiment beaucoup d'hôtels. Mais il n'y a pas beaucoup d'appartements. Donc le choix c'était soit on restait dans l'hôtel où on était, qui était super bien. Vraiment je vous recommande si vous venez à Siem Reap. Mais pour bosser, en plus Julien il a été bien malade, comme je vous ai expliqué, donc avec la dengue dans cet hôtel. C'est pas forcément de super souvenirs. Moi j'ai passé beaucoup de temps avec ma mère qui maintenant est repartie en France. Enfin bon, on s'est dit on va partir sur des nouvelles bases pour se remettre un petit peu dans le mood de travail et plus dans le mood de vacances. Donc le plus simple et le pays que j'affectionne beaucoup, c'est la Thaïlande. On a commencé notre voyage en Asie par la Thaïlande. On avait commencé donc à loger un mois à Chiang Mai et un mois à Hua Hin. Vous pouvez retrouver derrière les vidéos donc sur ma chaîne. Et on n'est jamais resté très longtemps à Bangkok. Enfin, chaque fois qu'on venait, on restait 3-4 jours, mais pas un mois. Donc on s'est dit qu'on allait tester Bangkok. On a trouvé donc un appartement en résidence que je vais vous montrer tout de suite, qui est super vraiment. Petite astuce, si vous passez par Airbnb, il faut réserver au moins 28 nuits pour avoir une réduction au mois. Sinon, vous avez souvent des réductions à la semaine qui sont inférieures aux réductions au mois. Et pour avoir donc un bon prix. Quitte à parfois, si par exemple si vous devez rester que 26 nuits, il vaut mieux réserver les 28 nuits pour avoir la réduction. Vous paierez moins cher, enfin après il faut faire les calculs, hein, mais souvent vous paierez moins cher en ayant la réduction au mois que en prenant 26 nuits au lieu de 28. Voilà pour les nouvelles. Pour la suite du voyage, donc l'idée c'est de passer donc un mois en Thaïlande. Ensuite, soit on renouvelle encore un mois en faisant l'extension de visa, comme on avait fait donc à Chiang Mai pour 30 jours de plus, soit on change de pays et on irait plutôt au Vietnam. Puisqu'on avait bien aimé au Vietnam, on s'y sentait bien, il y avait aussi beaucoup de choix d'appartements. Donc on va voir. Voilà, vous savez tout pourquoi on se retrouve en Thaïlande. Donc je vais vous montrer le logement et puis je vais vous partager notre mois à Bangkok et nos balades et voilà. Bon, ça y est, on vient d'arriver. Dans le condominium à Bangkok, je vais vous le montrer. Tant qu'on s'est pas encore installé, qu'on n'a pas mis le bazar partout. Donc là, c'est nos affaires à l'entrée. Petit sofa, la cuisine, avec une table à manger, la liste des choses qu'il y a si tu casses, tu payes, avec le prix à chaque fois. Machine à laver, très important. Frigo, voilà. Et après des ustensiles, micro-ondes, des choses pour cuisiner. Là, je n'ai pas vu, je découvre en même temps. Petite terrasse pour étendre le linge. Et avec la clim ici. Voilà. On continue. Ensuite, donc là, il y a une télé. Bon, ça nous est pas très très utile. Ensuite, là, c'est moi. Salle de bain avec douche. Bon, salle de bain classique, quoi. Voilà. Ensuite, la chambre. Bon, c'est pas très grand. Mais c'est amplement suffisant pour un mois, surtout qu'en fait, je vais vous expliquer après. Mais il y a pas mal de choses dans la résidence. Il y a piscine, salle de sport, espace de coworking. Donc je pense que même pour travailler, on pourra aller dans l'espace de coworking. Et pas forcément rester ici. Donc là, c'est la chambre. Avec des serviettes, parce qu'il n'y en a pas toujours dans les résidences. Une petite armoire pour ranger les affaires. Très pratique, parce que là, j'en ai marre que tout soit en vrac dans la valise, comme on a voyagé au Laos, tout ça dans les hôtels. On n'a pas vraiment défait nos affaires. On va pouvoir tout défaire. Et la vue, plutôt sympa. Alors là, j'ai repéré qu'il y avait je crois que c'est un centre commercial, parce que je vois Decathlon, tout ça. Donc ça va être pratique pour faire les courses. Et je crois qu'il y a un food court. Donc très pratique aussi. On est à côté de la station de métro de Bang Pla. Voilà, là, il y a le métro, je crois que c'est... Oui, c'est le métro.
Voilà. Et ensuite, Chao Phraya, juste ici. Plutôt sympa la vue quand même. Avec le pont pour traverser de l'autre côté. Normalement, nous, quand on vient à Bangkok, on loge de l'autre côté. On loge pas très loin d'ailleurs, mais de l'autre côté de la rivière, enfin du fleuve. Et voilà, après on va découvrir petit à petit le quartier, je vais vous montrer tout ça. On vient de monter au 38e étage et regardez la vue comme elle est incroyable. Alors là il pleut donc je suis derrière la vitre, je vais vous montrer. Donc là au 38e, je crois qu'il y a un espace de coworking, on va aller le voir. Là-bas il y a une salle de billard, des petits canapes, c'est trop joli. Et là il y a la salle de sport, bon, il y a du monde. Vous filmerez quand il y aura moins de monde. Et voilà un petit aperçu. Mais la vue, elle est incroyable. En fait, il y a Chao Phraya qui est là, avec les ponts là. Trop joli. Et là, c'est de l'autre côté. Regardez. Trop beau. Là, je pense que c'est des condos en fait là qui dépassent sous ces immeubles là. Ça doit être des condos. Enfin, il y en a pas mal. Et là, la salle de sport, regardez, il y a cette vue. Bon, on est monté encore un étage au-dessus. Mais c'est pas fini. Je reviens pas. C'est magnifique. Là, il y a des trucs de sport. Là, il y a la vue. Bon, par contre, faut pas avoir le vertige. Bon, vous l'avez compris, je crois, mais la vue, elle est incroyable. Regardez-moi ça. On est du coup au 39e. Enfin, il y a 38 étages et là, on est vraiment sur le rooftop. Donc, on est au 39e étage et la vue elle est incroyable. Je suis pas sûre qu'on ait une meilleure vue sur Bangkok qu'ici. J'ai jamais vu une vue comme ça sur la ville. En plus là, le voir de nuit avec toutes les lumières, c'est incroyable. Vous avez compris, la vue est incroyable. Donc je vous montrerai de jour aussi et j'ai hâte de la découvrir demain de jour. En tout cas c'est trop beau, trop content d'être ici. J'étais triste que mes parents partent, mais du coup ça me remonte un petit peu le moral d'avoir cette chouette vue. Je suis au rayon jus de fruits et à 50 jus d'orange. Je sais pas lequel prendre. On est en train de faire les courses là pour l'appart et il y a 50 nuances d'orange. Je sais pas lequel. En plus on avait pris un bon à Kuala Lumpur mais je sais plus lequel c'était. Premier repas, on mange dans le food court qui est au niveau du centre commercial du Lotus et on s'est pris deux cas au seuil. Ça a l'air super bon. J'attends juste parce qu'en fait on doit payer par une carte qu'on achète ici pour payer dans le food court, c'est souvent comme ça. Et on s'est pris un petit jus. Donc ça c'était 65 bahts et le jus 40. Première baignade dans cette immense piscine. Elle est hyper longue, c'est trop bien pour nager. Et en plus elle est trop jolie, l'eau est super claire, il y a la végétation et tout un peu partout. Ils ont mis des canapés, là on est sur des canapés comme ça, enfin des transats comme ça, mais c'est hyper confortable. Et l'immeuble qui est immense, je sais pas si je vous l'avais déjà montré. On est au 8e étage, mais il y en a 38 étages, plus une espèce de rooftop au 39e étage. Voilà. Et là je crois qu'il y a un sauna et un hammam, je vois sauna room et steam room. Ça c'est depuis le dessus de la piscine. Regardez la vue sur le temple. Il faudra qu'on aille le visiter d'ailleurs. On reprend les bonnes habitudes de Thaïlande. Enfin bonnes, je sais pas, mais en tout cas les habitudes de Thaïlande. Puisque à chaque fois à Hua Win et surtout à Chiang Mai, je prenais plein de bubble tea. Ben là j'ai trouvé un petit stand qui vendait des bubble tea devant le supermarché, là le Lotus qui est juste ici. Devant le centre commercial même. Et donc voilà, j'ai pris un boba milk tea pour cet après-midi. Et avec vue s'il vous plaît. Je vais en profiter de cette vue. Bon, j'ai clairement jamais eu une aussi jolie vue pour travailler, regardez. Comme c'est joli. Donc là il y a Chao Phraya. Petit ordinateur pour travailler. Et la vue. À 360. Incroyable. Enfin 360, les vitres là-bas. Je crois que je vais venir tous les soirs ici, le deuxième soir. Et c'est tout aussi beau. Alors là il pleut pas, le premier soir il pleuvait. Et là on voit bien le palais royal, on le distingue super bien.
Le Wataroon, je pense qu'il est au loin là-bas, mais je suis pas sûre. Il y a une huître quand même pour pas tomber quand même. Parce que c'est hyper haut. Regardez toute la skyline. Je sais pas si vous le distinguez bien, il faudra que je vienne avec l'appareil photo. Comme ça, je pourrais zoomer et tout, ça sera mieux pour que vous voyez. Ça fera de plus jolies images, mais tout ça, c'est la skyline. Là, on a un immeuble juste en dessous. Je sais pas si c'est. Je pense que c'est une résidence parce qu'il a l'air d'avoir une piscine en bas. La Chao Phraya, tout ici. Et cet après-midi, on a travaillé depuis l'espace de coworking. On avait exactement la même vue puisque c'est un étage juste en dessous. Et donc, on voyait les bateaux passer. Ça, il faut que je cherche ce que c'est. Cette pagode. J'ai l'impression qu'il y a un bâtiment dessous, comme des bureaux. Il y a des gens qui font de la boxe. En fait, on est venu ici parce qu'à la base, on pensait faire du sport. Sauf que la salle de sport est complète. Et vraiment, il n'y a plus une seule machine de dispo, donc c'est pas grave. Il y a d'autres machines qui sont à l'extérieur, là où il n'y a personne. Donc on a fait un petit peu ça. Histoire de se dépenser un petit peu. Et puis là, on profite de la vue. Et c'est étrange parce qu'il y a quand même beaucoup moins de monde à la piscine que dans la salle de sport. La salle de sport, elle est quasiment tout le temps pleine. Alors qu'à la piscine, il n'y a quasiment personne. Je sais pas pourquoi. Mais moi, ça me va. Je préfère la piscine. Même si c'est de motiver quand même à la salle de sport de temps en temps. C'est trop beau. Je m'en lasse pas. Même la vue depuis notre fenêtre au 8ème étage, elle est incroyable. En fait, il y a des petits salons tout autour de la piscine avec des canapés et tout. Profite qu'il n'y ait pas grand monde pour montrer à quoi ça ressemble. Donc tous les matins on vient travailler ici. C'est un espace salon et coworking. Regardez la vue, comme incroyable. Donc là-bas il y a jus, moi je me mets derrière. Et c'est un salon. Ça va faire aussi de coworking, une table de billard. Et voilà. Et là vous pouvez sortir aussi pour avoir la vue depuis l'extérieur. Non mais les gars, les orages et la mousson, là, ça rigole pas. Regardez ces éclairs. Oh, c'est la trouille, j'aime pas ça. Oh là là. Le ciel clignote de partout. Là, je vous montre, mais je vais fermer les rideaux et me cacher. Oh là là. Oh, terrible. Vraiment, on dirait vraiment une lampe qui clignote. Le ciel clignote de partout. Bon, ce matin, en me réveillant, j'ai un petit peu bugué parce que je vois de la végétation sur la Chao Phraya. Bon, là encore, c'est un petit peu plus éparpillé, mais depuis en bas, on aurait dit vraiment que le fleuve était recouvert de végétation. Comme vous voyez tout là. Là, je suis au 38ème étage, donc on voit bien quand même qu'il n'y en a pas partout. Mais je pense que c'est l'orage d'hier qui a fait ça. C'est impressionnant. Il n'y a pas du tout de végétation. Il fait chaud, chaud, chaud déjà. Je vous montre la vue quand il fait beau parce que normalement c'est assez couvert. Bon là c'est quand même couvert mais avec le soleil. Ça fait d'autres couleurs. Regardez, il y a un temple en bas. Là, le lotus où on va manger le midi. La vue sur le fleuve. La skyline.